Eh bien, bonjour tout le monde. On se retrouve pour un nouveau live. Alors, j'ai fait la petite pub à droite à gauche, du coup, on va pouvoir commencer assez rapidement. On est sur le nouveau Call of Duty, donc je suis avec le comte de Auron, donc faut pas que ça choque certaines personnes. S'il y a marqué Monsieur Auron TV en haut à droite. Remercie d'ailleurs Auron qui nous a bien prêté son compte. Tester Call of Duty Modern Warfare, donc le dernier qui est sorti aujourd'hui à 3 h du matin, tout simplement. Donc, dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire de la campagne histoire de commencer, puis après, on tentera de se faire un petit peu de multijoueur. Donc, voilà, tout simplement. Bah, écoutez, moi j'ai envie de vous dire, on va y aller. Hein. Contenu pour adultes, ce jeu s'adresse à un public averti, il contient des scènes violentes et intenses. Je comprends. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Pour entrer dans un salon, dans une partie, vous devez suspendre l'installation des shaders. Reculez et attendez. C'est quoi ça? C'est quoi ce truc de shaders là? Marqué où les shaders? Comprends pas. Suspendre l'installation? J'ai un truc que je comprends pas. Comment tu sais comment t'es au niveau de tes shaders là? Mais c'est un truc qui se télécharge à chaque fois que tu lances le jeu, ça c'est un peu relou par contre. Bonne partie. Lorsque. Je risque de causer des problèmes de performance lorsque vous jouerez pour la première fois une carte. On va... Ah, j'étais à 75%. Ok, on va attendre. Apparemment, ça monte assez vite. On va attendre. Ça, par contre, c'est un peu relou hein, parce que à chaque fois que tu lances, il y a une grid. À chaque fois que tu lances ta game, ça te retélécharge à chaque fois tous les shaders. Alors, je sais pas si c'est pareil sur console. Ou si c'est que sur PC. Ça c'est assez relou. On va attendre, on est bientôt fini. Qu'est-ce qu'on a? On a recrue. Pour ceux qui jouent pour la première fois à Call of Duty. Bon, j'ai déjà joué à 2-3 Call of. Je pense que ça devrait le faire. Seconde classe. Commando. Vétéran. Réalisme. Avec un ATH limité. Ça c'est intéressant ça. On va jouer en seconde classe hein, quand même, on est des warriors. Ça va et toi? Autant malade. Ah, ok. Ah, rétablis-toi bien. Wow. Pourtant, on a téléchargé tous les trucs. Modern Warfare. Alors j'ai téléchargé tous les shaders donc je comprends pas pourquoi ça bug comme ça. Echo 3-1 à Charlie 2 leader. Ici leader. La zone est en vue. Je crois que nos gars sont pile à l'heure, colonel. Compris 3-1. Équipe Hitman en place et prête pour l'assaut. Vous avez le feu vert. Colonel, on a un problème. Trop tard, Laswell, on y va. Ça c'est ma décision. Watcher à 3-1, vous me recevez? Chef de station Laswell, on vous écoute. Le général Barkov a expédié une cargaison de gaz vers son dépôt. Mais ses hommes s'apprêtent à transporter les armes chimiques vers l'Urzikstan ce soir. Vous avez l'autorisation d'attaquer, mais n'ouvrez le feu sur des soldats russes en aucune circonstance. On ne veut pas d'incident international. Rien dit que l'armée russe restera impassible, Kate. C'est compris, Alex. Commencez par trouver le gaz, détourner les camions et quitter la zone avant que les troupes s'en mêlent. Monsieur Watcher, on s'en occupe. Son jeu est vachement fort.
point déployé. On ouvre la base. En route. À toutes les équipes Hitman, avancez. Compris. On bouge. On n'a pas le droit à l'erreur. Les hommes de Barkov vont transporter le gaz ce soir. Je crois qu'on peut tomber sur le général Barkov. Un général russe oserait jamais traîner par ici. C'est beau, hein. Hein. C'est magnifique. Psst. Attention. Il est contre un arbre. J'en entends deux. Ça nous cherche. Deux mercenaires, pas d'uniforme. Что-то слышь, сейчас. Эй, кто здесь? Выйди, покажись! Je suis pas du tout caché. Je sais pas pourquoi okay. Le mec il me trouve pas, je suis pas du tout caché. Oh. On est tranquille, compris. Installez-vous sur la ouais, crête. D'accord. On va analyser le terrain. Ça rigole pas, dis donc. Ah, je parie qu'il peut être là. Écho 3-1 à Blue Viking 5. Demande de frappe. Attendez la confirmation de la cible. Compris, 3-1. Viking se tient prêt. On commence ouais, non, à faire okay. Sens. Faut être sûr que les Russes sont pas dans le coin. Et sur virgule. Non, c'est apostrophe. Pour la lunette d'observation. Ok, clic droit. Oh. Complet, c'est ouf. Hein. Par contre, j'ai un peu de mal. Là, nickel. Regarde bien, 3-1. On a besoin d'une confirmation que l'armée russe est pas là. Ça bouge dans la cour de triage. C'est comme ça que le gaz entre. Un gars dans la tour, côté gauche en hauteur. C'est pas un militaire. Véhicule en approche à la porte principale. Cible dans la zone de chargement, en visuel. Compris. Point de contrôle, voilà l'entrée. Cible vérifiée. Le véhicule se déplace. Véhicule de patrouille, des contractuels. La sécurité, une bonne cible. Aucune présence militaire russe. Confirme la frappe, 3-1. Demandez la frappe aérienne. Le Viking 5, ici Echo 3-1. Troupe à découvert, porte sud, vous pouvez y aller. Compris, 3-1. Cible verrouillée. Feu à volonté dans 5 secondes. 5 secondes. Puis... Echo 3-1, cible touchée. Viking, rentre à la base. Bonne chasse. Merci beaucoup, Viking. On va prendre la relève. Ils ont défoncé, hein. Plus grand chose en vie là-bas. Attention, plusieurs ennemis à pied. Ils sont où ? Ah bah ils sont là-bas. Une seconde, laisse-les approcher. Рассредоточиться, если что, увидите, стреляйте. On les enfume, allez. C'est bon, on avance. Trop bien. Cette interactivité entre les bots et nous, c'est... Clairement, génial. Quelqu'un a joué avec le feu. Ça leur apprendra à voler des armes chimiques. Précision, mais t'as vu ça? Je suis un pro, hein. Pas du tout. Mes pattes, bah bien sûr. Ça brûle. Qui crie ça brûle alors? Non, sans deck, le feu ça brûle et l'eau ça mouille. Cœur sur quoi lui? Faut les acheter. What? Ah oh merde. En feu. On occupe. Pan est en route. Oh, ce que je lui ai mis à lui par contre. On peut plus vraiment compter sur la surprise, les gars. Restez sur vos gardes. Il rentre tout seul. Peut-être des trucs à récupérer, je sais pas, genre. Comme dans Resident Evil, faut détruire des petites statuettes. On a des succès.
Oh, fuite, fuite. Double porte de sortie dans le coin. C'est le début, c'est la phase d'infiltration, c'est le tuto, c'est normal. C'est pas ce qui nous attend. Contact. Approchez des coins, il y a. On a un mitrailleur au premier. Il est rapproché. Faites un tir de suppression et frappez. Pas de suppression. Fais le tour et abat-le. En avant. On doit sécuriser le gaz avant qu'il l'emporte. On bouge. C'est sympa comme système. J'ai crevé. Faut même pas mourir dans le tuto de Call of Modern Warfare quand même, ce serait un comble. Je vois pas les mecs, ils sont en noir. J'ai un visuel. Occupe-toi de cette mitrailleuse. Avance, mitrailleuse de lumière. Cible acquise. C'est une mitrailleuse. On doit neutraliser la mitrailleuse. Visuel à l'arrache. C'est où la mitrailleuse? La lumière est plus sensible, avance maintenant. La routine pour toi de mourir dans les tutos. C'est vrai ça. T'es un méchant. Même pas d'être avec l'ampoule. La torche tactique n'est plus visible. On va dans les bombes. Un visuel. Hey, on regarde l'ancien. Oh, j'ai failli tuer mon. J'ai failli tuer mon pote. Tir allié n'est pas toléré. Ah merde, c'était un allié ça. Oh, c'est un détail. Tire de suppression vers cette mitrailleuse. Ah non, ça c'est un allié. Pourquoi je tire que sur mes alliés? Où sont les méchants? Voilà. Bah du coup j'ai échoué dans le tuto hein, comme d'hab. Je suis pas mort, je vais tirer sur des potes. Je vois du mouvement. Il y en a un au nord-ouest. J'irai pas à la guerre avec toi. Oh ça va. Lancer des grenades. Oh. What? What? Il me tire dessus. Oh mais. Sors d'où lui? Faut qu'on gratte derrière la. Par contre. Comment on tape au corps à corps? Faut qu'on gratte derrière la. Eh ouais mais bon. En tuto il est super bien ça. Je vais lancer une grenade, je vais essayer. Un allié lui, ouais. Attends, on tire 50 fois, la grenade elle est. Bien joué, contre. La grenade elle explose 20 ans après quoi. Il s'enfuit vers l'entrepôt. Suivez-moi. Je recharge. J'en vois un à 20 mètres. On bouge. Un pro. Pas mort une seule fois. C'est bon, le gaz doit être là-dedans, sauf si c'est trop tard. C'est bon. Peut-être réussir à faire c'est le tuto bon. Sans c'est mourir bon. Une seule fois. Hein. Il y a peut-être des armes chimiques, mettez vos masques. Oh carrément. Ou bien. C'est parti. C'est Tchernobylite. Oh. C'est quoi ce merdier? Ils ont coupé le jeu. Allumez votre torche à chacun. Appuyez sur N. Oh, pas mal de carottes. Oh ça j'adore. What? Trouvez-le. Contact. Il me fait flipper les bâtards. Ah ça c'est un allié, comme on est. Ça bouge sur la passerelle. On va tirer sur la passerelle.
mec qui a tiré n'importe où, tu sais. C'est bon! C'est nettoyé! Plus qu'à remettre le courant, allumer la lumière et trouver le gaz. Compris, toi. Non, la porte est pas alimentée. Trouvez les fusibles, trouvez le gaz, et on se tire d'ici. Ok, gros. Là, faut trouver comment monter. Notre histoire. Il a besoin de lumière. Ouais, j'ai compris, calme-toi. On les fusils. Ah, d'accord. Faut qu'on remette le courant. C'est un jeu fait pour les... Hein ? Attention les yeux. Je dirais rien, mais si t'as toutes les informations qui sont indiquées à l'écran, c'est nul. On a un problème. Les dégâts de l'armée russe. Les Spetsnaz. 3-1, Watcher. Les mercenaires de Barkov sont des Spetsnaz. On a tué des militaires russes. Il faut qu'on foute le camp. Négatif. La mission est prioritaire. Vous n'avez pas le choix. Vérifie que c'est bien ce qu'on cherche, et on préparera les camions pour l'évacuation. Jackpot. Confirmé, c'est bien le gaz. Bien reçu, 3-1. Chargez tout ça et rentrez à la base. Compris, on y va. Bon, une fois qu'on a un jeu où notre personnage parle, c'est des gagnés, c'est des méchants. À toutes les unités, on est en route vers le rendez-vous. Restez vigilants. Bon, c'est trop stylé, hein, franchement. Rejoignez le point d'accroche pour extraction. Direct dans l'embarque. Enculé ! Oh bah ça c'est con. Watcher à 3-1, vous me recevez ? Alex, vous me recevez ? Terminé. Je suis là. Mais c'est qui ça ? Et là... Fini ! Arrête ça là ! Là, ça, c'est le mec de The Walking Dead. Marines. Amitar. Nazimitarak. Paran. Watcher. Alex, qu'est-ce qui s'est passé ? Attaque terroriste. Plusieurs marines tués. Gaz volé. Évacuation immédiate. Reçu. On signale d'importantes troupes russes en approche. Tenez bon. On est en route pour vous exfiltrer. Watcher, terminé. Cette opération va être compartimentée. Ça veut dire quoi exactement ? Ça veut dire que vous n'êtes plus habilité, colonel. Ces hommes sont mes marines. Il faut envoyer une équipe. Maintenant. Ça va pas être possible. Ça, c'est pas de votre sort. Colonel, Laswell. Général, mes hommes Norris, sont... Norris, donnez-nous une minute. À vos ordres. Et les vidéos, nous elles sont d'air. Un problème. Hein. Le Kremlin a suspendu tous les canaux de communication, la 6e flotte investit la mer Noire, et maintenant on a des armes chimiques dans la nature. Cette opération porte votre signature, Laswell. Réglez-moi ça. Général. Les renseignements sont notre meilleure arme. On a déjà essayé cette arme. Il va falloir trouver bien mieux. Là, je suis toujours un peu loupé, tu trouves ? J'ai pas fait attention, je t'avoue. Laswell. Vous êtes où ? Occupé. J'ai un problème. Les Russes ? Les nouvelles vont vite. Des terroristes ont mis la main sur des armes chimiques. On ne sait pas où ils sont. Paris, New York. Londres. Je vous brise quand ? Oh, excellent. C'est déjà fait. Oh, c'est excellent. L'agent Garrick, répondez. Ici Garrick. Niveau de menace devient critique. Sans doute plusieurs assaillants. Un kamikaze peut-être pire. Un des snipers en position ? Négatif, sergent. Il faut éviter la panique à tout prix. Les terroristes sont au courant, chef. Garrick, pas de zone de guerre en plein Londres. Compris ? Ouais, bien compris. Ok. Je crois qu'on est tout seul. Ça va le faire. Qu'on en finisse, d'accord ? Ok. Sergent. Gardez. Ah, c'est à moi de bouger ? Ok.
C'est bien la description. Oui, c'est eux. Sabre Raven, véhicule suspect vers le nord. On bouge. Reçu. Vous ne devez engager qu'en cas d'attaque imminente. Camionnette blanche, à gauche. Foncez, go! Ils sont là, mes frères! Ils sont là. Là! On y va! Bouge pas! Police, plus en jugement! Les mains en l'air, maintenant! À plein ventre, tout de suite! Vous faites une erreur! M'oblige pas à le répéter! Le véhicule. Oh. Oh, surtout, je vais tirer. La voie est libre. Sabre 2, qu'est-ce qui se passe, bordel? Il y a eu une détonation à Piccadilly Circus. Des coups de feu, plusieurs agents touchés. Envoyez-nous les ambulances, vite. Regarde un peu. C'est pas terminé. En avant. Tu détectes le capitaine des terroristes. Restez aux abris. Restez pas là. Tu peux pas faire la distinction entre des terroristes et des pas terroristes. Hein. Ils enseignent leur fin. On va rentrer dans l'entrée, regardez. Oh, je vais sauver les gens. Raven, Sabre 2. On est à chasse de sécurité. Un suspect abattu. Magasin d'électronique. Bâtiment nord. On va savoir le brigadier. Mais c'est insane pour savoir c'est qui le méchant. On va à chercher les mecs. Et attends, on est... Est-ce qu'on a vu à chercher où ils sont? On essaye. Bâtiment nord. Là c'est nimpe. Il était mort. À toutes les unités, suspect à pied au nord. Je reviens, ok. Envoyez leur des secours. Raven, ici Sabre 2. Putain, mais où est l'armée? En route. À toutes les unités, suspect à pied au nord vers l'heure du Tanto. Deux hommes blancs, vêtements noirs avec des fusils automatiques. On dirait des AK. L'un des deux porte une cagoule. Rejoins arrive bientôt. Alpha Whiskey. Deux porte une cagoule. Rejoins arrive bientôt. Alpha Whiskey. 2304 avant. C'est insane, hein, par contre. Il doit pas être à côté des voitures. Agent à terre devant lui. Je vous couvre. Vous êtes armé? Oui, chef. Capitaine Price. Sergent Garrick. Suivez-moi. Ok, let's go. Attendez, on prend la calache. Il y avait une calache dans le temps. Allez, hop, c'est parti. Sécurisez les angles.
Je sécurise les angles. Des otages, en haut. On a besoin d'aide là-haut. Au secours. Au secours. Enlevez-moi ça, pitié, enlevez-moi ça. J'ai besoin de vous, sergent. Aidez-moi. Je suis pas avec eux. Je veux pas mourir. Pitié, je veux pas mourir. Je rentre chez moi. Ça s'ouvre pas. Vous pouvez l'aider. J'essaie. Laissez-moi voir mes filles. C'est trop tard. J'y arrive pas. Plus de temps. Aidez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Non. Non. Oh, cette violence. À toutes les stations. C'est réglé. Préparez-vous, on va sortir. Que tout le monde reste calme. Yo Mephisto, comment vas-tu? On va vous sortir d'ici. Rien cassé? Non, ça je... va. Allez. T'inquiète. Il est dur, hein, quand même. T'arrives pas trop à faire... Quand t'es avec les civils, t'arrives pas trop à faire la distinction entre les civils et les terroristes. C'est assez compliqué. Vous avez sauvé des vies, sergent. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça, chef. On nous a envoyés au casse-pipe. Le mode solo, yes. Pour que tout le monde solo de Call of. On n'est pas en guerre. Et t'arrives au tout début, là. Ouais, mais personne n'est dupe, ça c'est sûr. Alors pourquoi on a les mains liées? Il suffirait qu'ils nous laissent les combattre. Chef. J'écoute. On n'a pas la moindre chance avec ces règles d'engagement, capitaine. Dites-nous où, dites-nous quand, mais pas comment. On a traqué cette cellule pendant des semaines. Vous aviez des renseignements exploitables? Oui, mon capitaine. Ok, Garrick. Suivez-moi. Al-Qatala a revendiqué l'attaque. L'ordre est venu du loup en Uzbekistan. Alex est déjà sur place, il cherche les armes volées. Il aura besoin du soutien du Front de Libération, alors dites-lui de contacter leur commandant. Vous connaissez Karim? On s'est croisés. Donnez mon nom, ou ils le tueront. Quel est le message du capitaine Price? Commandant Karim, appelez-moi Alex. Je vous écoute, Alex. C'est confidentiel. Laissez-nous, cousin, et préparez-vous. Il y a 48 heures, des terroristes ont volé du gaz aux Russes. Il n'y a que Al-Qatala pour faire ça. Les Russes ne font pas de distinction entre Al-Qatala et votre peuple. Et moi, je ne fais aucune distinction entre Al-Qatala et l'armée russe. Les deux sont des terroristes. On n'utiliserait jamais de poison. Aidez-nous alors, avant qu'ils... Avant qu'ils quoi? Qu'ils attaquent l'Europe? Ou l'Amérique? Leurs attaques sont notre quotidien. Commandant, il faut y aller. C'est qui, lui? Alex, je te présente mon frère et lieutenant, Adir. CIA? Il est avec le capitaine Price. Tu tues les Russes, alors? J'ai des amis qui peuvent aider. Mais la décision revient à votre sœur. Bien sûr. C'est ma sœur qui commande. Et l'armée russe est toujours là. Il faut que cette occupation cesse. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus, Alex? Les hommes de Barkov contrôlent la ville. Nous avons un plan pour les contrer. On n'a pas de missiles, mais on se débrouille. Si tu restes, nous t'aiderons. Mais si tu restes, tu te bats. C'est d'accord. Ok, donc en gros... Bienvenue en Uzbekistan, Alex. Suis-moi. Qu'ils puissent nous aider, faut qu'on les aide d'avant. Ah, super. Et pas dans la merde. Ces tunnels vont nous sauver. On nous signale que des commandants russes arrivent en ville. On leur tend une embuscade. Comment? C'est vrai que l'animation faciale est pas si ouf. Ça devrait les surprendre. Et aussi éloigner la sécurité de la base russe, ce qui nous permettra d'attaquer. Après, c'est pas le principal. Il faut qu'on soit prêt à tout. Si on va trop loin, on n'en reviendra pas. Tiens-toi prêt pour l'attaque. Sois prudente. Allez, Alex, prends ses charges. C4 et détonateur à distance. Merci. Veille sur ma sœur. Bonne chance. Toi aussi.
Bonjour. Allez, viens. Vite. Américain. Tu peux te fier à lui. Bonjour. Tiens, Alex. Enfile ça. C'est digne d'un film à gros budget. Mais ouais, t'as vu, c'est stylé, hein. De quoi j'ai l'air? Ça ira. Trop stylé. Tariq, comment ça se passe? Les Russes sont juste dehors. S'ils aperçoivent vos armes, ils tireront. Et bah, notre plan tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. Alex, nos armes nous trahissent. Ne laisse pas les Russes voir la tienne. Cacher l'arme. Voilà, c'est bon. Suis-moi. Faut pas que je fasse un mouvement de molette parce que sinon je sors l'arme. Rondo. T'es pas américain. Les hommes de Barkov occupent toute la ville. Ils seront encore plus stricts. Attends la visite des officiers. Oh, calme-toi, toi. Hein. Barkov sera là aussi. Peu de chance. Il se cache pendant que les autres font le sale boulot. Quel genre de sale boulot? Des sanctions. Pour avoir osé résister. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. Oh, calme-toi. J'ai confondu ma... confondu ma mate avec un... avec un civil. Les hommes au travail, les femmes dans les véhicules. J'ai suivi le mec là-bas alors que je devais suivre elle. Fais ici qu'on se sépare. Tu vas devoir te fondre dans la mer. Ah ouais? Les hommes, c'est par où? On se retrouve de l'autre côté. Ok, j'y vais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Ah, ok. Prendre une pierre. Prendre le parpaing. Malgré ma générosité, ma bienveillance. Pardon, excusez-moi, moi je suis plus rapide que vous. Je suis passé. Oh! Prends la ruelle, à gauche. Mandal qui s'est pris. Attends, je vais quand même poser mon parpaing. Casse-toi. Comment je lui pose mon parpaing? Ouais. Approche-toi de lui, doucement. Attire son attention. J'ai sorti mon flingue. On a eu de la chance, hein, parce que. Je vais jeter parpaing dans la gueule. Personne. Wow. Violence. T'es plein de ressources. Viens. Lâchez le parpaing. Voilà. Allons-y. Mes contacts sont postés un peu plus loin. Ils ont des explosifs pour nous. Merde. Les soldats de Barkov ont trouvé mes contacts. Ils sont peut-être déjà morts. Attention au bruit. Il faut un silencieux. Trouve un filtre à huile. Tu pourras t'en servir de silencieux. Un filtre à huile? Oh, sur mon ancêtre maison. Regarde dans les hein. Voitures des civils. Je surveille les gardes. Un filtre à huile. Sans raison réelle, au nom de soi-disant liberté. Ça fera l'affaire. Viens, on tourne par la droite. Les genres. On tourne par la droite. On tourne le véhicule, par la droite. Bon, j'ai compris, calme-toi. Là, j'appuie sur la touche 5. T'en prends deux, je m'occupe des autres. Oh là. Voilà. C'est bon, reste à couvert. Attendez, je prends la calache. Hop. Tu les as en joue? Ouais. Prends-en deux. Je m'occupe de l'autre. Ah mais par contre c'est insane. La voie est libre. Par ici. Désolé pour tes contacts. On a les explosifs. Leur sacrifice ne sera pas. Lancer au calme. Desert Eagle. Merde. J'avais lâché mon... Planque ton arme. On ressort. Ok. Yeah. J'avais lâché mon fusil silencieux. Ça aurait été dommage. Oh, ils sont en train de les pendre.
pitié. Elle est terrifiée, c'est Laissez tout. Vos armes. Je sais ce qu'elle est. Tu comprends pourquoi on doit en arriver là. Ils sont pendus parce qu'ils ont désobéi. Regarde-les bien. Allons-y. Vous voyez, quand on coopère... C'est un putain de crime de guerre. Ils les punissent pour le vol du gaz. Ces terroristes sont à l'origine de tous nos problèmes. Qu'est-ce qu'on peut faire? Unissons nos causes. Accomplir notre mission. Exposer. Et mettre un terme à la cruauté de Barkov pour de bon. Attendez, moi je visite un peu. Hein. Barkov déploie des hélicoptères. Si on les abat, la base devra envoyer des renforts. Et on en profitera pour attaquer. Bon, on va remonter. Pose les explosifs sur les hélicos. Je te couvre. Pose les explosifs sur les hélicos. Si tu tombes sur des gardes en chemin, abat-les. Discrètement. Après, viens me retrouver ici. Sérieux, Zen? Ces terroristes venus de la... Et elle m'a pris pour qui? Sont le cancer de ce noble pays. Vous chiez l'État! C'est lui! Il ne pourra y avoir ni ordre ni paix. Yes. Oula. Tant que ceux qui Range. Soutiennent ces sauvages n'ont pas hein. été éradiqués. Attaché à un viseur. Je suis un homme juste et pris de justice. Ok. Il faut que je trouve comment monter. Nul besoin de juge ou de jury ici. C'est juste là, mais pour comment monter. Là, je suppose que c'est par là. On a des parpaings là. Ils vont me défoncer là si je vais là. Cette révolte impose la guerre aux citoyens de l'Urzikstan et pris de paix. Oh, mais non, mais calme-toi. Ces combattants de la liberté et tous leurs complices menacent la sûreté et la sécurité de ceux qui suivent les règles. Aujourd'hui, ils doivent être punis. Ceux qui osent croire que mes hommes céderont devant ces actes de terrorisme et ces projets secrets et ces tentatives de sabotage se trompent. On contrôle, attends. Je me laisserai jamais expulsé de ces terres par une armée de voleurs et de terroristes. Il est où l'hélicoptère déjà? Des gardes à l'entrée. Nous trouverons. Si tu les attaques, te fais pas remarquer. Et garderont ce territoire. C'est bon, on est sur le toit. C'est l'hélico. J'ai pas encore trouvé comment monter. Ah là. Débile, par contre. Ah, lui, il est débile. Non, je suis à côté de la cible. Tu sais quoi faire. Les réserves de main-d'œuvre sont... Comment je fais? Nickel. Moi, oh, il y a un corps qui est tombé. Alex, place tes explosifs. Oh putain. Ok. Ok, c'est bon. Il cherche ses explosifs. Ça va faire une sacrée diversion. Il faut que j'aille là-bas. Maintenant, passe à l'autre côté. On y va. Nous envoyons un message. Je vois quelqu'un, non? Je vois pas. Il y a un mec là-bas, mais je sais pas. Mais non, c'est notre copine là. Amis, votre famille. Prends les escaliers. Conspirateurs parmi nous. Putain. J'avais qu'à pas grogner. D'atrocités sans nom contre notre peuple. Stop. Il y a un garde en haut des escaliers. À gauche. Bien vu. Je te couvre. T'as vraiment des réflexes de chat. Personnellement, je préfère les chiens. Charge en place. T'es doué pour le multi, mais c'est pas du multi. Autre groupe sur ma position. C'est pas du multi, c'est... C'est C'est le solo. Mais sinon, non, je suis pas doué en multi. Elle est où, la meuf? Ils sont partis. C'est le moment. Fais-le exploser.
Attention. Elle me pousse. Bien joué, Alex. C'était beau. Par ici, maintenant. Attends. Prends à gauche. 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 Regarde, ça a marché. Les troupes de la base rapide. Ok, ils ont levé leur véhicule. Pris le pick-up. On va les faire sauter. En voilà d'autres. Suis-moi de près. Un cadeau d'adieu. Qui les attendra à leur retour. Quelle générosité. J'aurais bien aimé assister au spectacle, mais on doit lancer l'attaque avant qu'il soit trop tard. Ok, c'est bon, on y va. La rue suivante nous mènera au tunnel qui passe sous la maison de Tariq. Oula, non. Merde. Oh. Ok, c'était pas par là. Par contre, elle court 10 000 fois plus vite que moi, hein. C'est insane. Je vais les faire sauter. À droite, Alex, va à droite. Ok, c'est par là. Oh, mais comment ça fait qu'elle court 10 000 fois plus vite que moi, elle? La fenêtre. Mon flingue au cas où. Farah, c'est quoi ce merdier? Eh ben. À terre. Cache ton arme. Ils sont trop forts. Ne bouge pas. Ok, je bouge pas. Oh, le monde! Reste immobile. Reste immobile, je reste immobile. Ah, je voulais dire. Ah non, non, je suis pas doué sur le multi. Ils vont marcher dessus, les bâtards. Oh my god. Elle est loin. Cocotte. C'est loin. C'est bon. Tue les deux sur la gauche. Oh, le sang. Beau travail. Au tunnel, vite. Il risque d'en arriver d'autres. Regarde. Des renforts de la base aérienne. Notre plan fonctionne. Stop. Merde. La porte de Tariq est ouverte. Où est Tariq? Il est mort. Il aurait jamais abandonné son poste. Allons-y. Bah dis donc. Tous les gars chez qui on doit aller, ils sont morts. Hein. La voie est libre. On descend. Il faut qu'on rejoigne Edir. T'as perdu des gens bien aujourd'hui. C'est le coup de la guerre. On va prendre la base de Barkov pour qu'il ne soit pas mort en vain. Ça promet d'être intense. J'y compte bien. Edir a un plan. Intéressant comme gameplay, j'aime bien. Bienvenue chez moi, Alex. Je me suis installé près de la base de Barkov, histoire de bien le garder à l'œil. Prudence. Nerf de sûreté. On fait les choses à notre manière. Pas de grenades, donc on improvise. C'est pas mal. Tu crois qu'on se bat avec des cailloux et des bâtons? Ok, j'ai déjà un cocktail molotov, c'est pas mal. On apprécie. Allez, fais vite, cousin. Oui, lieutenant. Délire. Les Russes ne comprennent que la violence. Alors moi, je leur en donne. Barkov a une armée et tout. De l'air. Nous aussi, on a la nôtre. Les drones sont chargés de C4. Est-ce qu'on est prêt? Oui, commandant, on est prêt. Wouah, trop bon. Bien. Volpa, la base putain, c'est droit. Ouf. C'est génial. Tarmac, droit devant. Fonce sur les ennemis. Tout droit. Fonce sur les hélicos pour les faire. Oh,
C'est génial. Bravo. Allez, on y va. Périmètre de la base aérienne, droit devant. La deuxième est méchante, hein. C'est les alliés. Écoute-moi, Watcher. Mal à reconnaître encore les méchants et les alliés. Bien reçu, 3-1. J'envoie un hélicoptère non marqué sur votre position. Mettez-vous en position, ici. Compris. Tenez-vous prêts. On va attaquer leurs arsenaux, récupérer leurs armes et prendre l'aérodrome. Oui, Karine. Cousin, nous nous battons pour libérer l'Urzikstan et reprendre notre pays. Pour l'Urzikstan! Pour l'Urzikstan! Tirez au canon! Ça nous. Canon, on y va. Oh. Ok. Comment je fais pour savoir si avec elle vous alliez, mais... Charger. Oh. Oula. Je vais peut-être tirer sur trois rats quand même. Ok. Mais tu vois, Ingrid, quand t'es là, je meurs. Donc, moi, j'y... Voilà. J'ai rien, mais... Tu crois que... un peu de la triche. Hein. Quoi? Bah, voilà, hein, c'est ce que je disais. Quand t'es là, je meurs. Wesh, mais... Non mais là, il y a de la triche, hein. Ok. Wow. Laissez-moi tranquille. Il y a des gens, mais dans tous les sens, quoi, c'est insane. Il y a des gens partout. C'est pas tranquille de nuit. On aura la guerre. Oh.
Encore. Dans le bâtiment. Première armurerie dégagée. Les drones sont là, Alex. On a flash, ça c'est pas mal, ça on a pas, on a pris. AUG. Oh. Comment ah. Ah, on a pas mal de trucs en fait. Oh. Ouais, je me laissais moi lire le chat. Impatient, c'est chez peut-être le pays que je combat là. Attendez, parce que tout il y a eu des messages dans le chat et on n'a lu aucun. Ce portail mène au tarmac. Regroupez-vous là. Alors, Percy, j'arrête de venir. Mais non, tu peux continuer, je t'autorise. Pas la maison thermique pour voir comme en plein jour. Bah écoute, je ne sais pas, je n'ai pas eu de. Merde! On doit passer par là pour rejoindre le tarmac. C'est le seul moyen. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais foncer dedans. Bouge, Alex. 3 Watcher, on arrive au tarmac. Wesh, ouais, prends mes camions là, je vais exploser. Écoute-moi, il semblait l'avoir fait exploser le camion, mais apparemment non. Un adi, on va éviter de lui tirer dessus. On a déjà fait Allié. Alex, les drones sont prêts. Alex, protège-moi. Oh, tu en plein de mort. Hélico détruit. T'as une allié dessus. Pardon. Oh, il m'a gueulé dessus. Comme mon mec, il a pas pris. Il a pas pris des cours pour recharger les armes. Il met 20 ans à chaque fois pour recharger. Suivez-moi, on dirige vers le tarmac. Oh là, c'est pas vrai, nous. Ah, méchant.
provoquer, mais c'est un peu ce qu'on fait parce que j'arrive pas à mourir. Pas trop envie de mourir si toutes les 10 minutes. C'est non conscient. Oh! C'est quoi ça? C'est un bouton explosif? Dégoûté. J'en ai tellement pas à mourir là. Ça tire d'où là? Apparemment ça tire encore mais je sais pas d'où est-ce que ça tire. Tout le monde à l'intérieur! Nettoyez le hangar! C'est verrouillé! Il y a une trappe sur le toit! Alex, viens m'aider! Oh, je me fais claquer! Sauve-moi! Alex, saute vers moi! On s'est un allié. C'est un allié. Tu tues un allié. Toi tu tires sur tes alliés te tirent dessus apparemment. Là Alex. 1, 2, 3. Dernière armurerie sécurisée. Rejoignez-moi pour vous ravitailler. Perds pas de temps. Les renforts ennemis arrivent. Oh non, 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 pas de ça, moi. Ça m'a l'air pas mal. Yes. Ça m'a l'air pas mal. Seul problème, c'est que j'ai pas de mun. C'est pour. Je crois qu'on va devoir rechanger l'arme. Hein. On a pas du tout. Oh, mais non, mais ça, c'est le FAMAS, j'en veux pas. Faire coincer. Affreux ça. Un ennemi en approche. Neutralisez-le.
C'est où dans les... Il s'appelle repeindre le paysage. Total, mais ouais, t'as vu, c'est une lunette. Alors, tu les Russes. Seulement les méchants. C'est une grande victoire pour l'Ursixan. Merci, mon frère. On forme une bonne équipe. Oui, on progresse. Mais Barkov va se venger. Nous aussi. Oh, la phrase de merde. Alex et les forces du commandant Karim ont détruit la base avancée du général Barkov, ce qui limite temporairement les capacités aériennes russes en Ursixtan. On doit agir vite. Sergent Garrick, grâce à vos renseignements, on a pu suivre la cellule Alcatala, responsable de l'attaque de Piccadilly, jusqu'à une maison dans le nord de Londres. Trois équipes des SAS vont entrer dans cette maison. Si le loup est en possession du gaz volé en Ursixtan, on doit le trouver. Faites attention. Il est possible qu'il y ait des civils sur site. Vérifiez possible. J'arrive jamais à faire la distinction entre les civils et... Les cibles sont actives, les gars. Alors on y va. Après, regarderai ça après. Alors, c'est parti. Bon, il y a des civils apparemment. C'est bien le côté où on passe entre. Ça, c'est génial. Bravo 6, ici Alpha 2. On est sur le point d'entrée dans la ruelle ouest. Bien reçu. Oh, c'est génial. Silence. Comment il a plaqué un meuf par terre? On a pris contact avec un groupe ultranational. Ils vont prendre les choses en main à l'est. Écoute, je lui fais confiance. Oh putain! C'est bon. Ah, je croyais que c'était un fusil mitrailleur, mais en fait c'est un coup par coup. Je vais se faire niquer. Bah lui, j'ai des lunettes de vision nocturne avec lui. Pas avec les lunettes de tout à l'heure. Bravo 6, on passe au premier étage. Oh, c'est ouf. Franchement, c'est génial. Pas Call of Duty de base, mais... Enfin, moi, je suis Call of Duty, mais que les solos. Sachant que j'en ai fait qu'un sur DS. J'ai eu chaud. Elle fait quoi, elle? Deux cibles à terre. Bien reçu. Elle est sérieuse? Sauve la vie, elle me tire dessus. Étage sécurisé. Avec moi. Passe quoi de l'autre côté, les gars? Mais c'est eux qui tapent dans la porte. Rigole. Bravo 6, on passe au deuxième étage. Il y en a.
Ok. Voilà, c'est super. On kiffe total, hein. Vraiment. Beaucoup à l'étage, hein. Derrière la porte. Intérieur. 3-1, ramenez-vous tout de suite. Reçu, je suis en route. Allez, hop. Attention, grenade. Nettoyez cette pièce. Il y a un bébé, putain. L'étage est sécurisé. Rejoignez-moi aux escaliers. Non, c'est insane. Sérieux ? Tiens bon, on vous attend. Je suis là. Bravo 6, on passe au troisième étage. Vérifiez vos cibles. Là, là en l'air, tout de suite. Non, pitié. Sécurisez-les. Faites taire les gosses. C'est bon. Dernier étage, passez devant eux. Que je passe devant les gars. Fermé. Je m'en occupe. Essayez de les prendre vivants. Ouais, d'accord. À terre, à terre. Tirez pas. Tirez pas, pitié. Ils allaient me tuer. Bouge pas. Ils m'ont enfermé là-dedans. Ouvrez le feu. Bouge pas, j'ai dit. C'est bon. À toutes les unités, bâtiment sécurisé. Cherchez des infos. Ah, putain de merde. C'est un putain de détonateur qu'elle cherchait. On a bien fait de la tuer. On a pris la bonne décision, chef. Et pas qu'un peu. On a l'emplacement du loup. Elle aurait pas tué. Elle aurait fait exploser un truc. Le grenier de la maison d'Alcatala était une mine d'or. On aurait trouvé le loup. Les communications remontent jusqu'à l'hôpital de Ramaza, en Mursistan. Où serait sans doute caché le chef d'Alcatala. Les hommes de Farah vont surveiller les terroristes à l'hôpital, pendant que les marines seront sur place pour progresser dans le bâtiment. Echo 3-1 va capturer le loup pour interrogatoire au sujet du gaz russe volé. Imagine. Pas toi, boum. Tout est calme maintenant ici. Bien sûr. Continue de nous tenir informés. Mes problème de synchro-limbial, là. Est assiégé. Alcatala se sert de civil comme bouclier humain. Il protège quelqu'un. Ou quelque chose. Plus on en saura. Tout va bien, Farah. Hadir est mon meilleur tireur. Tu peux compter sur lui. Et sur tous mes hommes. Ils leur part du gâteau. Ils ont deux trucs à faire, quoi. C'est pas comme si c'était un jeu narratif, quoi. J'ai dit qu'on vous aiderait. Et tu tiens ta parole. Je le fais pas que... pour tenir parole. Ceux qui envahissent mon pays n'ont aucun respect pour la vie. Ce gaz détruit tout. Même la nourriture dans nos jardins. Et tous ceux qui l'utilisent sont mes ennemis. Pas d'exception. Non. Alcatala a sali la réputation de mon peuple. Et nous avons payé cher pour leurs crimes. Je veux que le loup soit puni. Je ferai en sorte que tu sois là quand on le livrera à Price. Et toi, tu iras où quand tout ça sera fini? Là où on m'enverra. Sans discuter? Pas le choix. Repose-toi. Demain est un grand jour. Et toi et tes hommes? On reste jusqu'au lever du soleil. Je vais couvrir l'autre coin.
L'hôpital se trouve au bout de la route. 500 mètres. J'y vais à pied avec les marines. Écho 3-1. Sergent Griggs. C'est moi. Appelez-moi Alex. Pas de locaux cette fois. J'y peux rien. Karim ? C'est ça. Beau travail avec les Russes. Entre amis et ennemis. Bonne chance. Merci. On se reverra bientôt, Adir. Allez, Alex. Marine, l'heure de foncer dans le merdier. Vous allez découvrir une zone pleine de cibles. Faites gaffe aux fenêtres. On a intérêt à rester sur nos gardes avec tout ce bordel. Suivez le blindé, ne le perdez pas. Croisement dans un kilomètre. Bien sûr. Fighter terminé. Des pièges. Le mec il me fait, il y a des pièges pile au moment où je me prends un piège. Quoi. Putain. Des pièges. Vous pouvez les désamorcer. Arins, c'est réglé. Arins, c'est réglé. GG. J'ai une fumigène si je vous en fais une, toi. Mais il s'est passé quoi là? Arins, c'est réglé. Arins, c'est passé quoi? Je suis vu le blindé. Je suis mort. Ah, fallait pas que je suive de trop près, d'accord. Avancez, infirmier. Bâtiment bleu, deuxième niveau. Retournez avec un fumigène, par le côté, en hauteur. Balance un fumigène. Bougez, bougez. Avancez, allez. What? C'est un allié, putain. Bâtiment bleu, deuxième niveau. Bougez, bougez. Bien reçu. Avancez. Allez, mais j'allais, moi. Alors là, par contre, c'est insane, hein. Pas où ils sont. Ça me rend ouf, ça. Comment voulez-vous que je fasse à 1500 pour les alliés et les manches? J'ai dû au moins faire à 1500 pour les alliés. Balles dans les chargeurs ou ça se passe comment là? Cavalier n'est pas toléré, putain, je vais tirer une balle quoi. Comme rond. Oh.
Ouh là, j'ai chaud. Oh. Pardon. Ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Avec toi. Non mais Bah ouais, je suis un bon soldat, moi je tue tout le monde, hein. On dit que tu es, moi je tue. C'est bon. Non mais en vrai Bon, au deuxième niveau. C'est... Okay. C'est dur de différencier les alliés avec des ennemis en fait. Putain, il a lancé une grenade, le bâtard. Rejoignez-le. Oh, il y en a une autre. On va se regrouper à l'hôpital et trouver l'homme qu'il surnomme. La touche. H2H pour désactiver le mode hybride. On se fait tirer dessus par les troupes qui défendent l'entrée sud de l'hôpital. Demande tir de suppression immédiat. À vous. Compris, Demon 1-2. Hammer à la position. Attention, ça va chauffer. Quoi? Mais ils te mettent des bastos, mais... Balle du turfu. M'entends loin. Comment ça on m'entend loin? On va se regrouper à l'hôpital et trouver l'homme qu'il surnomme. Demon 1-2 arrête Hammer 7. On se fait tirer dessus par les troupes qui sont dans le sud de l'hôpital. Demande une situation immédiate. Hammer à la position habituelle. Ok. Attention, ça va chauffer. Attendez. Moi je suis rendu. Les grenades fumigènes restantes. Oh, je peux leur voler les grenades. Vraiment le chien, quoi. Ah, ouais, d'accord. Tenez la position. Ah, on entend plus le jeu que moi. D'accord. À toutes les unités, la voie est libre. Vous pouvez avancer. On va entrer par l'accueil de l'hôpital. Ce cas-là, c'est pas du tactique. Ah non, c'est pas du tactique. Ouais. Attendez, je vais baisser un peu le son. On entendait pas très bien, voilà. Hop. Ouais, c'est vraiment.
Après, je suis pas dans la première, dans le premier niveau de difficulté. Hein. Je suis dans le deuxième. Bon, même dans le deuxième, bordel quoi. On recharge. Ça c'est un allié comme nous. On va commencer à tirer sur ses alliés. Pas sur qui lui? Allez, on y va. T'as sur qui toi? Les gars se mettent en chasse. Faut qu'on chope ce salopard, Griggs. Oui mais on joue au vif. Oh putain. Aucun signe du loup. J'ai tiré sur le premier civil. Ah non mais... Ah ça va aller. C'est bien, faut pas se tromper, j'ai quand même buté la civile en butant le mec. Hein. T'es un terroriste aussi. Hein. Oh. Oh. Un allié, ça on va éviter de tirer dessus. Oh ah ouais. Ça va être moi le terroriste bientôt. Un peu plus de mal. Ah, je suis revenu si loin en arrière. Ouais, à toutes. Ah. Oh, mais c'est insane. Comment il me tire dessus, quoi. C'est insane. Bon, on va recommencer. On va y aller tout doucement, comme j'ai fait tout à l'heure. En tout cas, les alliés, ils servent à quelque chose, hein. Voilà. Je me souviens des Call of Duty où les mecs, ils tiraient et ils touchaient personne. Hein. Là, au moins... Toi, t'as eu de la chance, gros. D'avancer comme des dingos. Progresse vers le premier niveau. Ok, nickel. Un signe du loup. Veulent nous empêcher de trouver quelque chose. Je crois que c'est clair. Peut-être une embuscade. Vérifiez-les. Un par un. Les 23. Si 1, 2, vous en êtes où?
De fou. Je m'attendais tellement pas à ce qu'il se relève, le mec. Ce connard est bien planté. Bougez à couvert. Rapprochez-vous. En bouche. Bien reçu. Dans le couloir. Oh. J'ai un ennemi au sud-est. Putain, je suis trop un boss. Je suis trop un bolos, putain, je me suis lancé ma propre grenade dessus, quoi. Putain, il y avait un piège par terre. Ça me saoule. Je vais trop vite. Je vais trop vite, hein. Putain, mais c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Donc on va aller faire du online là. Ça me saoule. Allez, gros, te mettre devant moi là.
voilà. C'était un plaisir, sergent. Putain. Aucune, sergent. Compris. La galère. Caméra prête. Tes hommes ne te sauveront pas. Vous êtes ici pour me tuer. Présence du loup confirmée. Trois marines pris en otage. Il va les tuer. On doit y aller. Les enfoirés. Prenez-les à revers. Je passe par devant. Alex, viens là. Trouvez un moyen de contourner. Compris. Vous avez vu, je pouvais défoncer la porte. J'aurais fait, j'aurais été totalement mort. Neutralisez-le. C'est bon. Ça va aller, mon pote. T'inquiète pas, on est là. Alex. Ouais, Riggs. Omar Sulaiman, vous êtes en état d'arrestation par les forces spéciales. Faites exactement ce que je vous dis, ou vous êtes un homme mort. Parfait. À toutes les équipes, les Marines vont bien, le loup est dans le sac. On l'emmène à l'ambassade. Oh. Echo vous attend au deuxième niveau. Attention, premier point d'entrée dégagé, mais la fenêtre sera rapidement fermée. Compris. Atterrissage dans 3 minutes. Terminé. 3 minutes. Dans 3 minutes, mes hommes seront entrés et ils vous auront tous tués. J'ai choisi de vous prendre vivant, mais je peux encore changer d'avis. Vous vous trompez de cible. Tu mens. Dis-leur ce que t'as fait. Nous n'avons pas volé ce gaz. Alors qui? Quelqu'un de très dangereux. Où est le gaz? Si je le savais. Le boucher est dehors. Ils vont brûler la ville s'il le faut. Sauve ta vie, ma fille. Rejoins-nous. Ne lui parle pas, toi. Hé, on se calme. Je ne suis pas ta fille, vieillard. Je mène des soldats. Toi, tu formes des tueurs. On est tous des tueurs ici, non? Ils sont là. Faut qu'on y aille, vite. 3, 1, 2, 6. Ça tire. On sécurise le VIP. Je vous recontacte. Compris, toi. Bravo et sursis. Changez de position pour les vagues. 30 secondes. Compris. 30 secondes. Il y a un groupe de personnes non identifiées en mouvement à la porte principale. Les hommes d'Alcatala sont là. Ils ont poussé notre périmètre. On se pose sur le toit. On doit vite trouver Echo. Ça arrive en masse vers eux. Echo allumé. Arme de faible calibre. Lance-roquette. Ils sont récupérés. Ils sont récupérés. Ils sont récupérés. Ils sont dégagez, vite. Ah, il est chaud, hein. Rien de cassé. Non, ça va. Echo 3, l'extraction a échoué, on est sur le toit. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Il y a une pièce sécurisée au sous-sol. Allez-y, on vous retrouve là-bas. Bien sûr, on est en route. J'ai qu'un petit flingue. Oh la loose. En fait, il a une artillerie lourde et tout, et moi j'ai qu'un petit flingue. Et les civils, capitaine. Alcatala est là pour le loup. Nous aussi. Enfin, vous voilà. Il leur faut 5 minutes pour terminer. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Trouvez des armes. Barricadez les portes. Mais vous êtes là pour une extraction. Pas la vôtre. Oh, la violence. Ouvrez ça. Fermez derrière vous. De
06, écho 3-1. Le loup est à l'abri dans la pièce sécurisée au sous-sol. Attention, le boucher se trouve à l'extérieur avec un t-shirt. Je l'ai en visuel. Il pénètre à l'intérieur, il nous faut un autre point d'extraction. Vite! Capitaine. Négatif. S'ils atteignent ce côté de la vitre, ils arriveront au loup avant nous. Est-ce que c'est bon ? Affirmatif. Bien, passez devant. Par hasard. Toi, ouvre ça vite fait. Tout le monde recule. On veut juste le loup. Inutile de verser plus de sang. Qui a la carte ? C'est moi. Alors quoi, capitaine ? Tu vas les laisser mourir. Papa, vite ! Allez, sergent. Maintenant, c'est... Donne le loup! Tu es trop faible. Amenez le pick-up! Hey, on l'aura. Croyez-moi. J'ai sacrifié un gosse pour protéger... Le bâtiment est bouclé. Oh, mais c'est insane! C'est incroyable la violence du jeu, quoi. Le bâtiment est bouclé. Impossible de sortir. Oh. C'est ouf cette violence, quoi. On va ramasser une arme parce que là j'en avais pas depuis le début. On veut le loup. D'abord, qui nous prie. Où se planque le loup. Dis-le moi. Pas ça. Ah. On regarde à l'ouest. Pas mort, hein. Il meurt pas lui, mais il meurt pas lui. Bon alors là, mais c'est n'importe quoi ce jeu, putain. La porte du sous-sol, Kyle. Passez devant. Elle est où, la porte du sous-sol? Sergent, ouvrez la porte du sous-sol. Je peux pas. C'est fermé à clé. Je m'en occupe. Attention, il y a des ennemis à l'extérieur de l'abri. On s'en occupe. Dites-leur qu'on est là, sergent. Ah merde. 3-1, on y est. Farah, toujours dans les bonnes causes ? Toujours, capitaine. L'ambassadeur n'a pas bougé, chef. Il est coincé. Ok, surveillez-le, on peut avoir besoin de lui. Adir, merci du coup de main. C'est un honneur. Omar Sulaiman. On se connaît ? Oui, vous étiez dans notre camp. Le loup combattait pour la liberté. Je le fais toujours, mon frère. Les hommes du boucher se rapprochent de l'ambassadeur, capitaine. Je le bute maintenant, ça donne Kyle, quoi ? Sur les juste caméras. Tester, voir ce que ça donne. L'ambassadeur à l'abri. On aura besoin de sa carte pour ouvrir les... Ah, toujours dans les bonnes causes ? Toujours, capitaine. L'ambassadeur n'a pas bougé, chef. Il est coincé. Tu es drôle, qu'il se passe rien, quoi. Adir, merci du coup de main. C'est un honneur. Omar Sulaiman.
On se connaît ? Oui, vous étiez dans notre camp. Le loup combattait pour la liberté ? Je le fais toujours, mon frère. Les hommes du boucher se rapprochent de l'ambassadeur, capitaine. Compris. Kyle, sur les caméras. Vous guiderez l'ambassadeur à l'abri. On aura besoin de sa carte pour ouvrir les portes. Les autres avec moi. Oh putain, c'est quoi ? Monsieur l'ambassadeur, vous m'entendez ? Je vais verrouiller la porte. C'est qui ? Monsieur l'ambassadeur ! C'est moche, non ? Capitaine, l'ambassadeur est mort, mais je peux vous envoyer son assistante. Allez-y, on a besoin de cette carte. Allô ? Allô, vous m'entendez ? Allô ? Ici le sergent Kyle Garrick. Stacy Davidson. Faites exactement ce que je vous dis, et tout se passera bien. Prenez la carte magnétique de l'ambassadeur et dirigez-vous vers la porte. C'est bon, j'ai la carte magnétique. Vous cherchez des caméras au plafond. Oh là là, c'est insane. C'est génial. Le changement de gameplay, tu passes d'un gameplay à... Passez à droite, il y a un meuble à l'extrémité du couloir. Elle est déjà là-bas. Il y a un chariot près de la porte. Restez baissé. Elle est où ? Non mais elle se déplace si vite. Où il est ? Le loup, dis-moi où il est ! Ils vont me retrouver ! C'est ce fumier de boucher. Je sais pas ! Le pilier ! Arrête de mentir ! Le loup est là ! Dis-moi où il est ! Je suis qu'un analyste ! Quelqu'un d'autre sait ! Sergent Garrick ! Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Il y a un chariot près des étagères. Allez-y. Toi, qui n'as pas ta place dans mon pays. À l'autre bout. Ces terres ne vous appartiennent pas. Non, attendez, je vous en prie. Tu veux que j'aille dans ton pays et que je tue ton peuple ? Non ! Je peux pas vous aider. Cachez-vous près du corps. Merde. Dommage pour toi. À l'intérieur. Non. Ils sont en train de tuer. Jack, le gars, je le vois. Et ouais, mais l'autre il arrive en même temps quoi. Ça fonctionne pas. Non, attendez, je vous en prie. Cachez-vous près du corps. Tu veux que j'aille dans ton pays et que je tue ton peuple. Non. Mais... je peux pas vous aider. Dommage pour toi. Ils sont en train de tuer. Est-ce que je cours ? Oh, j'ai pas compris comment je devais faire. Stacy a été prise en train de s'enfuir. Ouais, d'accord. Ça appartient pas. Non, attendez, je vous en prie. Ah, je peux la mettre là. Restez bien baissé. Ah non, non, non. Là, je la mets là. Comme ça, quand lui il avance, la fout là. Non, attends. Ils sont en train de tuer. Demi-tour. D'accord. À l'intérieur. Passez dans le couloir, tout de suite. Yes. Continuez jusqu'au bout du couloir. Allez-y, maintenant. Oh mon Dieu, Adam. Non. Stacy, ramassez le téléphone. Stacy. Vous faites sortir de là. Merde, Stacy, laissez-le là. Je suis désolée, Adam. Ne criez pas, Stacy. Ne bougez pas. Je veux rentrer chez moi. Moi aussi. Vous allez rentrer chez vous, Stacy. Vous y êtes presque. Ringrid. Bon, je vais... Elle est là. Allez vers ce box. J'y vais. Allez dans je la mets box. Là, ça donne quoi ? Ah, ok, bah il l'a vu. Il a l'air chaud ce passage. Apparemment, elle est morte. Bien. Moi aussi. Vous allez rentrer chez vous, Stacy. Vous y êtes presque. Allez vers ce box. J'y vais. Alors, allez là. Allez dans l'autre box. Et nickel.
Va jusqu'où, lui? Aidez-moi, s'il vous plaît. De l'autre côté, maintenant. Collé au mur. Attends. Le bureau. Allez-y, maintenant. Insane. De l'autre côté. Le box suivant. Allez. L'autre box maintenant. Allez-y. Et... Bon, très bien. Le box suivant. Allez. Allez jusqu'au tableau. Oh mon dieu. Il y a un garde qui bloque la sortie. Allez, vous allez devoir faire diversion. Qu'est-ce que je dois faire? Allez à la déchiqueteuse. Maintenant, utilisez-la. Passez le coin et collez-vous au mur. Foncez vers la sortie. Courez! Bien reçu, chef. C'était pas simple, mais en même temps, c'était hyper stylé. J'adore ce genre de gameplay où tu dois, avec des caméras, dire à quelqu'un d'aller. Il y a plusieurs jeux qui ont ce genre de gameplay. Par exemple, il y a Expérience 133, il me semble. Et il y a également République, un jeu plus récent qui a d'abord été sur iOS. Et ensuite a été sur PC, qui a pris pas mal de temps à sortir d'ailleurs sur PC. Il y a 5 épisodes, ils sont juste énormissimes. Quoi. À un moment, j'ai cru que c'était à moi de le faire. Tenez, merci sergent, vous m'avez sauvé. Oh, c'est quoi cette qualité dégueulasse sur la carte? Et attendez-vous à la résistance. Ils sont ici. Derrière moi, madame. On avance. Là, dans la rue. Wesh. Surveillez la route. Bon, attention, ouais. Passe. Ouais. Oh. J'aurais pas dû rusher. Il m'a fermé la porte au nez, quoi. Restez pas ici, c'est dangereux. On change de position, tout de suite. Voilà le complexe. Garrick, utilisez la carte magnétique, faites-vous entrer. Ici Bravo 6, SAS, on est dehors. Je pensais pas que vous alliez y arriver. On a besoin d'une pièce sécurisée pour placer un prisonnier. À vos ordres, il y a une pièce sécurisée dans la résidence. Suivez-moi. Ça fera l'affaire. Faites le guet, prudence. On viendra le chercher. Je ne serai plus là, mon frère. Mais on se reverra bientôt. Chercheur, ici 06. J'ai besoin d'un soutien aérien immédiatement. Négatif 06. Je peux pas risquer un autre appareil. Kate, trouvez-moi quelque chose. La ville entière veut notre peau. Le seul drone à proximité a besoin d'un ravitaillement. Il pourra pas rester longtemps. Envoyez ce que vous avez. Terminé. Alex, Adir, direction nord, vous couvrez ce toit. Kyle, Vara, vous venez avec moi. Reçu, capitaine. Ah, moi j'ai où? Bien, c'est là-bas, moi. Non, je peux aller là. Je croyais que c'était moi, Alex. Ils peuvent s'occuper de l'ambassade s'ils nous suivent. Y'a rien ici, mon capitaine. Ils vont revenir. Ils vont revenir de l'autre côté. Qu'est-ce que t'en sais? J'aurais fait pareil. Elle a raison. On se repositionne de l'autre côté du toit. Tout de suite.
Équiper le fusil à lunettes. Comment je fais? Sergent, prenez un fusil de précision dans la boîte derrière nous. Quelle boîte? Quelle boîte? Voilà. La boîte, Kyle. Prenez un fusil et observez le terrain. Je veux qu'on surveille ce café de l'autre côté du champ. Surveillez à 12 heures. Le café. Plusieurs hommes en âge de combattre. Pas armés. Restez concentrés. Deux de plus. Mara. C'est des messagers. Ils regardent vers nous. No bueno. Les quittez pas des yeux. Je m'en occupe. Quelque chose les a effrayés. Regardez à droite. Deux de plus. Ils s'arrachent. Il y a un truc qui cloche. Il y a d'autres civils inconnus à l'extrémité du terrain vague. Analyse en cours. Des combattants. Ils sont là pour nous. Ils avancent vers nous. Merde, je les ai perdus. Baisse-toi. Alex ? Ah ouais, pas bête. J'ai rien. Attendez, j'ai du mouvement à mi-distance. 11h. Où ça ? Négatif, c'est juste le vent. Ne tirez pas. Ils nous observent, capitaine. Encore un mot et je vous envoie là-bas. À vos ordres. Oh, il pète les lampes. Les lampes. Autorisation d'engager. Engager quoi? Je vois rien. Surveillez l'herbe. Envoie une fusée. On peut les neutraliser si on y voit clair. Il nous faut une fusée éclairante. Bon, je fais. Il nous faut de la lumière, Kyle. Ah ouais, qui est là? Attention, ça va péter. J'en vois qui bouge, au bout du champ. Attaquez, ouvrez feu. C'est génial les gameplay en tout cas. Qu'est-ce que vous en pensez eux? Franchement, ils n'ont pas mis de Call of Duty l'année dernière. Je trouve qu'il sera de solo l'année dernière. Je trouve qu'il sera encore pas mal avec celui de cette année. Tellement raté. Attention, ça va péter. Ça sera trop énormément bien avec celui de cette année. Non. Bon, ils ont avancé beaucoup. Par contre, il a. Fait un calage, je peux pas dire, bah moi non plus, mais je veux dire, l'année dernière ils ont pas fait de solo et wow, c'est bon ça, je t'étale comme des lapins. C'est pas fini, il y en aura d'autres. Comment sont vos munitions? Presque à sec. Ouais, moi aussi. Presque à sec. Soyez précis dans vos tirs, chaque balle compte. Ah ouais, t'es ok, super. Hey, deux véhicules qui font route vers le sud, extrémité du champ. Bien reçu. Ils ont dû se tirer. Ils se repositionnent. Il y avait trois voitures, elle est passée où la troisième? À terre! Ok. Comment tu veux esquiver ça, wesh? Oh. C'est l'heure de descendre. Mais non, mais j'ai un sniper moi aussi. Chier. Il faut que je trouve une autre arme là, parce que sinon.
tirer un mortier. Blessé, ouais. J'arrive à remonter sur le toit. Je suis coincé. Non, par contre, je suis derrière le mur, quoi. Mais je suis derrière le mur, ils arrivent encore à m'enchaîner, quoi. Ça me rend. Wouah, ok. De toute façon, comme j'ai dit, bon là, ça fait des petites heures qu'on fait de l'histoire. Le but, c'est quand même d'essayer de découvrir un petit peu le online aussi, donc on va aller en online juste après cette phase. On est en train de se faire défoncer. Ah, mais chance, hein. Le coupé est pour au milieu de l'allée. Oh putain, ça me rend ouf, quoi. Ça me rend ouf, vraiment, le jeu est compliqué. C'est insane. C'est insane, hein. C'est violent. À toutes les unités, aucun mouvement dans le champ. Restez furtifs. On surveille la zone. Merde, moi j'avance alors que je peux pas avancer. Kyle, reste au point. Restez baissés et ne quittez pas ce bâtiment. Sergent, faites le plein et venez me voir. Compris. Allez, on va s'arrêter là. Commencer. Quel silence d'un coup, comment ça? Ouais, t'as vu. On a fait tout ça déjà, hein. Ça. C'est pas mal. Ok. On va partir en multi.